Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ici le Don Alex. J'espère que vous allez bien en ce samedi 17 octobre 2020. Vous avez passé une bonne semaine à bien profiter du boulot et pour se reposer ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez envie de passer un bon week-end, parce que c'est le plus important, c'est d'être en forme, ce que je sais pas faire à chaque fois. Non, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur du jeu qu'on parlera après, évidemment. Une chose à la fois, une chose à la fois. Aujourd'hui, beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire qui ont rapport avec Twitch, tout en rapport avec Twitch. Donc, du coup, on va beaucoup discuter pendant les 10 premières minutes. Et j'essaie de mettre le jeu très très vite. Donc juste commencer par le planning. Pour tout commencer au début, le planning. Voilà. Donc je vous fais le planning en premier et après on parlera de plein de trucs. Alors, un truc que je vous dis maintenant. J'ai dans ma lèvre, à l'intérieur de ma lèvre, en gros au niveau de mes dents là, depuis hier, j'ai une méga grosse douleur. C'est-à-dire que quand je parle, j'ai mal. Et du coup, ben, j'essaie de pas essayer de parler trop vite. Éviter que j'ai mal tout le temps. Donc du coup ça va se guérir je pense d'ici quelques jours hein. Comme d'habitude hein, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. C'est des choses qui m'arrivent souvent sur mes lèvres, souvent à l'intérieur de mes lèvres quoi, j'ai des douleurs etc. Mais bon, ça arrive rarement quand je fais des lives, souvent quand je suis hors live ou quoi ça m'arrive. Et là du coup ça arrivait hier et j'ai fort mal. Donc du coup il se peut que des fois je parle pas beaucoup, que j'essaie de reposer un peu ma lèvre. Et que ma gorge, j'ai bois un peu d'eau des fois, etc. Parce que ma gorge, j'ai mal aussi là. Ouais. Oh, aujourd'hui, ça va pas. Mal de gorge et la lèvre, mais bon, c'est le seul petit souci qu'il y a aujourd'hui. Ah, attends, j'ai mal à ma lèvre, vous voyez, il y a une petite goutte parce que j'ai mal. Et coucou, mon cher Elcor. Salut, du love et des bisous. Comment vas-tu, mon cher Elcor? Comment vas-tu le sorcier d'émulation aujourd'hui? Comment s'est passée ta semaine? Ça va beaucoup croisé ces derniers jours. J'espère que tu vas bien en ce moment, mon cher Elcor, que tu passes une super semaine et au plaisir bientôt de te recroiser sur tes lives ou chez des amis streamers. On s'est croisé hier pendant l'événement. Du temps, on va reparler un peu de, on va parler un peu de l'événement et on va parler aussi un peu du planning en premier. Comme ça, après, on parlera des autres annonces et après, on commencera Uncharted 4. Donc, du coup, ça va bien, mon cher Elcor, ça va super bien. Normalement, aujourd'hui, jusqu'à la fin de soirée, ce sera une bonne journée. Même mon PC, ça devrait aller. Alors, parce que j'expliquerai pas pourquoi. Mais ça va super, mon cher Elcor. Et d'ailleurs, Elcor, je sais pas si tu refais des streams bientôt ou si tu as prévu d'en faire des streams bientôt. Moi, j'ai énormément peu de temps pour aller sur Twitch pour aller des streams, j'avoue. Mais je vous soutiens tous au mieux que je peux. Si vous connaissez pas Elcor, donnez-lui du love. Il fait beaucoup de jeux, beaucoup de différents types de jeux. Donc, s'il y a un jeu qui vous intéresse, Elcor, il pourrait vous le faire peut-être. Donc, n'hésitez pas à lui donner du love, à le soutenir. En tout cas. Moi, je vous recommande fortement ce streamer super gentil d'amour que je kiffe énormément. Sachez-le. Que c'est un ami de la chaîne. En tout cas, moi, j'aime bien, mon cher Elcor. On va parler du planning, du coup. On va aller sur Uncharted aujourd'hui, le 4. Et oui, il pose Ratchet & Clank de nouveau, mais sur la chaîne, il ne fait que deux challenges pour le moment. Je fais Uncharted Challenge et Ratchet & Clank Challenge, ok? Alors, ce que je veux dire, c'est par rapport au planning. Et ça a un rapport avec le planning. Donc aujourd'hui, on fait Uncharted 4. On va continuer le let's play jusqu'à la fin du jeu. On repartira sur du Ratchet juste après ce jeu. Je vais expliquer après pourquoi. J'expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Pour l'instant, j'ai fini le planning et je vous expliquerai pourquoi on retournera sur du Ratchet après Uncharted 4. Donc aujourd'hui et prochaine semaine, Uncharted 4 en let's play principal avec Zelda Oracle of Ages. Et en petit let's play qui remplace Mafia 1, nous aurons Zelda. Non, on va pas abuser. Hein. Je vais dire Zelda Oracle of Seasons, mais c'était une blague. Non, on va avoir du Zero Escape, Zero Time Dilemma. Et je vais le commencer fin de semaine prochaine, je pense. Parce que je voudrais bien pouvoir finir Virtual Last Reward que je vois dans l'esprit YouTube avant de commencer Zero Time pour être à jour sur les deux premiers jeux. Et les deux premiers jeux seront faits en live, évidemment, dans les prochaines semaines qui viendront également. Je sais pas quand encore, mais Zero Escape, je vais le faire avec quelqu'un. Le 099, je vais le faire avec quelqu'un de la commu.
Et le Virtual Reward, soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre, qui aime bien les visual novels. On fera ça en duo, sur mon Discord et sur mon live en même temps. Enfin, la personne sera avec moi sur le Discord, mais on fera ça toute la soirée. On découvrira le jeu. La personne qui jouera avec moi, évidemment, ne connaît pas le jeu. On ne connaît pas la fin du jeu. Parce que le but, c'est que la personne comprenne le jeu. Alors moi, je donnerai aucune indice, rien, etc. Moi, je lirai les dialogues, je raconterai un peu ce qu'ils ont dit, je raconterai un peu quel personnage, etc. Ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai pas pour les personnes qui seront là, ce qui se passe. Demain. Alors, non, attendez. Alors, ce soir, évidemment, on se voit chez la Yaman Cup, chez Aurel de la Yaman Team. Pour la Yaman Cup, la suite de la partie 2 d'hier. D'ailleurs, désolé. Hier, j'avais pas de bonne mine. J'avoue que ça se voyait fort sur le live. J'avais une tête un peu fatiguée. Mon PC m'a fatigué. J'ai passé une journée un peu où j'étais fatigué quand même de base. Mais bon, c'est pas ça qui m'a fatigué. Après, c'était plus le problème de mon PC parce qu'il m'a refait deux fois le coup, mais je l'ai pas dit. Heureusement que ça se voyait pas. En vrai, deux fois, je voyais plus personne pendant 2 minutes. Ça m'a fait trois bugs. Ça tout le monde qui m'a soirée, je suis un peu déçu, j'ai du coup la tête comme ça en mode tout triste, en mode pas bien. Et ça se ressentait quand je parlais aussi. Bon du coup là ce soir ça devrait aller mieux, j'ai une solution qui a été passée grâce à quelqu'un, du love à cette personne, pour ce soir et exceptionnellement pour la seconde partie de l'event. Donc ça devrait mieux se passer normalement. A priori, à moins que j'ai un problème d'internet, ça j'y peux rien. Hein. Et du coup, je ferai en sorte que la seconde soirée soit la meilleure des deux. Et n'hésitez pas du coup à 20h30, 21h d'aller chez Aurel pour aller voir la seconde partie de la Yaman Cup. La première partie est en rediff chez lui. N'hésitez pas à regarder si vous le regardez. Bon, attendez-vous pas avec de la performance de ma part. À cause de son moral, j'étais pas trop dans le truc pendant le live. Mais là, je serai mieux dedans ce soir. Ensuite, demain, on se retrouve sur Among Us. Je sais pas. Fall Guys. Peut-être. Resident Evil Resistance. Possible. Genshin Impact. Pourquoi pas. Ou alors peut-être du Zelda, peut-être du Uncharted 4, peut-être un one shot. C'est à vous de décider, je mettrai sur Discord après là, avant ce soir, je vous mettrai qui préfère quoi. Et s'il y a des gens qui veulent faire du Among Us, ben, je mettrai mettre un logo sur le choix Among Us. Comme ça, on fera du Among Us peut-être demain, peut-être on n'en fera pas. C'est vous qui décidez. Vraiment, c'est vous qui décidez pour Among Us. On verra ça demain. Et lundi, on ira sur Uncharted, une fois de plus. Après aujourd'hui, on ira lundi. Mais on fera juste 1 heure d'Uncharted et 2 heures de Zelda lundi. Comme on a fait du Uncharted aujourd'hui, on n'en fera qu'une heure lundi ou 1 heure et quart. Et on fera à peu près 1h45, 2 heures de Zelda. On verra. On essaiera de faire 3 heures de live. Ou 3h30 si je peux. Afin de pouvoir vous proposer beaucoup de let's-play en ce lundi. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis en live, j'ai soit des remontées où j'ai ok, semi-ok, soit j'ai mal à ma lèvre et j'ai toujours un truc qui va pas. Vous savez que rien dans la vie veut que je marche comme tu veux, c'est comme ça. Donc du coup, concernant Ratchet & Clank, les amis, sachez qu'actuellement, j'ai un collègue à moi, un pote de formation, à qui j'ai récupéré la PS3 avec une manette et deux jeux, je ne sais pas ce que c'est, mais avec lui. Et oh coucou mon cher Captain Shadow, yo Makai, oh salut, du love et bisous, comment vas-tu mon cher Captain Shadow, comment vas-tu le tonton Captain, tonton Shadow comme tu aimes bien dire, le tonton c'est un peu ton mot à toi, le tonton. Comment tu vas Captain Shadow, c'est bizarre de te voir aujourd'hui. Comment s'est passée ta semaine l'ami, est-ce que t'as passé une bonne semaine? Sur quoi étais-tu cette semaine, si t'as fait des lives, est-ce que t'as fait des lives, sur quel jeu t'étais? Ça fait plaisir en tout cas de te voir Captain Shadow. Comme je disais, j'ai mal à ma lèvre, donc du coup à l'intérieur. Quand je parle, du coup, ça colle ma lèvre au niveau de ma bouche et ça fait très très mal. Donc j'essaie de parler, mais moins vite, etc. Tonton et Tata, parce qu'on est une grande famille, effectivement. Tonton et Tata. Tonton et Tata. En tout cas, si vous ne connaissez pas Captain Shadow, les amis, je vous recommande fortement d'aller le voir. Il est super sympathique. C'est quelqu'un que je trouve super gentil. Comme moi, il connaît Twitch et le monde des jeux vidéo depuis très longtemps. Il connaît aussi les plateformes de vidéos et de stream depuis très longtemps aussi. Parce que c'est quelqu'un de très ancien. Et il est respectueux de fou et d'amour, vraiment, ce Captain Shadow, je vous le dis. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui la semaine dernière en live, d'ailleurs, sur du Among Us. Et ça m'a fait méga plaisir.
Toi, j'espère que tu vas bien, comme t'es chez l'eau. On est en train de parler du coup du Ratchet & Clank Challenge que je fais sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous rappelle, point d'exclamation Ratchet pour ceux qui ne savent pas. Donc, du coup, demain, le Sherlock d'Among Us, exactement. Donc, du coup, dès la semaine prochaine plutôt, je récupère la PS3 si tout se passe bien, si ma personne elle est disponible la semaine prochaine. Il m'a dit qu'il sera peut-être là la semaine prochaine. Et, du coup, lui aussi, il a fait une information de qu'il est dans la même situation que moi à l'heure actuelle. Donc j'irai lui récupérer la PS3 si tout se passe bien, c'est pas loin de chez moi. Et je testerai ça, et une fois qu'on a fini Uncharted 4, on retournera sur les premiers Ratchet & Clank qui sont existés sur la PlayStation 2. Donc le 1, 2, 3 de la trilogie, puisque je mets sur la PS3 en dématérialisé. Donc c'est pour ça que je voudrais récupérer ma PlayStation 3 également. Enfin une PlayStation 3 pour pouvoir faire tout ça. Donc je vous promets de vous faire un maximum de jeux possibles. J'ai fait du Modern Warfare et depuis mercredi du Black Ops Cold War en bêta, oui, qui est en bêta actuellement d'ailleurs. Si vous êtes fan d'FPS, que vous adorez tout ce qui est FPS, il y a Captain Shadow qui fait beaucoup de jeux FPS. Et j'aime bien moi les Call of. C'est le seul type d'FPS où je suis fan. Après les Battlefield, j'aime bien aussi, mais bon, bref. Crysis, enfin, il y a plein de jeux d'FPS qui sont cool. Il y a Killzone. N'hésitez pas à aller voir Captain Shadow en tout cas. Moi, je suis sur PS4. Qu'est-ce que c'est le PS4, mon cher Elcor? Recallbox install oblige en 7.0.1. Et quel est le PS4 Recallbox Elcor pour qu'on puisse du coup avoir le résumé de notre cher ami Elcor qui s'y connaît mieux que nous et qui pourrait nous faire un très bon tuto rapide. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Quand même, après le couvre-feu, c'est temps dégueulasse. Il y a beaucoup de restrictions qui nous ont été un peu imposées sans qu'on sache avec ce temps, et etc. J'espère que vous battez. Vous fightez pour la suite. C'est un mini PC pour émule sur TV. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et moi d'ailleurs, les amis, je vous le dis maintenant, les prochains jeux émulés que, enfin, les prochains jeux émulés que je parlerai, etc. Genre Zelda, Majora's Mask, etc. J'essaierai évidemment d'avoir la version originale. Et oui, voilà, entre les mains. Comme ça, tout sera bien parfait. Alors, on va parler maintenant des nouveautés, des nouvelles choses à vous dire. Première chose, point d'exclamation. Jeux en vrac, n'hésitez pas à voter pour les jeux en vrac actuellement sur la chaîne. Il y a 5-6 votes à faire, bientôt plus, on en reparlera juste après. N'hésitez pas à voter pour le jeu en vrac qui vous plairait le plus de voir la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, le jeu en vrac sera en début de semaine ou en milieu de semaine plutôt qu'en fin de semaine, parce que du coup, je suis plus en formation, je suis actuellement en train de faire des recherches de formation et de boulot de nouveau. Donc du coup, en attendant, j'ai plus de possibilités de poser des lives. Je vous ferai peut-être un live de plus que d'habitude ou un petit peu plus de temps de live en semaine que d'habitude. Donc ça fera plaisir de faire l'avancement des jeux en cours. Donc n'hésitez pas à voter avec le point d'exclamation jeu en vrac. N'hésitez pas également à rejoindre YouTube si vous voulez voir les rediffs des derniers lives ou des anciens lives que j'ai fait sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller sur YouTube, checker tout ça. Je n'ai pas mis beaucoup de rediffs ces derniers jours, mais j'en mettrai beaucoup ce week-end. En tout cas, demain sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas. N'hésitez pas à rejoindre Twitter également. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez avoir des annonces, etc. D'ailleurs, si vous voulez participer à Among Us, c'est bien d'avoir Discord pour pouvoir me dire si vous voulez participer à Among Us demain. Si vous voulez pas faire d'Among Us, on fera autre chose. On fera du Fall Guys, on fera un one shot, on fera du jeu en solo. On a plein de jeux qu'on peut se faire. On se fera du bric-à-brac par-ci par-là. Donc n'hésitez pas. Et les amis, deux, trois choses importantes. La première, alors, pour vous parler de ça, je vais mettre la caméra. Comme ça, au moins, on avancera un petit peu dans le truc. Hop, je suis là. I'm here. Ok, mon verlet qui a bugué ou non? C'est ma caméra qui a bangé. Ah, ma caméra qui a planté. Vous avez vu, ma caméra a planté. Je crois que ma caméra a planté, les amis. Hop, ma caméra est plantée, les amis. Incroyable. On va activer cette belle caméra qui avait planté. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Attendez, la caméra qui n'est pas été bien dans la bonne configuration d'ailleurs. Ça va pas du tout. Non, non, c'est en 1200 par 720. Ah non, non. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Non, par 960 alors. Voilà. Hop, attention. La caméra elle bug plus. Voilà. Et le salut, le love et les bisous à vous tous. Donc du coup, désolé, j'ai eu ce petit souci sur la caméra qui a bugué. Bon, ça arrive, hein, la caméra qui bug. Ça arrive à n'importe qui. Ça, ce n'est pas mon PC, c'est ma caméra qui a eu se planter. Bon, du coup. Les autres annonces, parce que du coup je suis désolé hein, de parler beaucoup, mais de toute façon c'est la meilleure façon pour moi de un petit peu d'expliquer ce qui se passe sur la chaîne, de faire des annonces.
Et re-coucou Jenny, et moi, faut faire un coucou du coup officiellement sur le live, le salut, du love et des bisous, comment vas-tu ma chère Jenny? J'espère que tu as passé une très bonne journée en ce. Bah, tu passes en tout cas une bonne journée, parce qu'elle est loin d'être finie. En ce 17 octobre 2020, on est samedi. J'espère que tu n'as pas un temps dégueulasse toi aussi de ton côté. Et j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Sachez que moi ça va super et qu'on est en train de parler un petit peu des petites annonces importantes sur la chaîne. Et salut Jenny en tout cas. Et si vous ne connaissez pas Jenny d'ailleurs, j'en profite également. Oh merci pour le host Jenny, du love, le salut, des bisous et du love à tout le monde d'ailleurs. Je vais vous faire ça. Alors du coup, n'hésitez pas à aller voir Jenny. Qui est Jenny? Jenny 21, c'est qui? Bah Jenny 21 c'est une modo, non? C'est une joueuse? Oui, non. Enfin les deux c'est le cas, mais c'est aussi une streameuse. Et excusez-moi, j'ai mal à ma... voilà. Et elle fait actuellement du. Elle a fait du Hellblade. Elle a fait du Doom. Elle fait du Age of Empires et du Skyrim. Elle fait plein de jeux divers et variés. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Elle est d'amour, cette Jenny. Il faut dire la vérité, cette Jenny est d'amour. N'hésitez pas à la checker et à lui donner beaucoup de love. Elle est super bien accueillante et en plus elle est avec moi actuellement sur ce tournoi formidable. Bon, à part le petit souci d'hier que je vous ai raconté tout à l'heure, mais ce tournoi qui est formidable et qui va reprendre ce soir, elle y est aussi dans une autre équipe. Donc allez donner du love à Jenny, on va passer des bons moments avec cette fille super gentille et avec d'autres streamers et streameuses et viewers et vieweuses d'amour et le cher Aurel d'amour qui fait un excellent boulot. J'ai même pas pu lui dire hier tellement que j'étais dans mon mode minage, mais il le sait hein, que j'adore. Du love à lui. Bon, on va parler maintenant de deux autres choses importantes. La première concerne un jeu que vous attendiez. À poil. Alors, je remets la commande à poil pour ceux qui ne savent pas. Il se trouve qu'actuellement. Alors, attendez, je vais le prendre dans ma main. Effectivement. L'émission à poil va se faire. Donc, les pilotes seront faits. Regardez, hop. J'ai le jeu en main, à prendre ou à laisser. Et oui, pour ceux qui connaissent ce jeu mythique des années 2000 et qui a repris avec Julien Courbet et Cyril Hanouna en 2020, est bien dans ma main. C'est bien ce jeu-là. Je l'ai installé, je l'ai testé. Parfait. Parfait, parfait. Ça va être très facile à streamer, ça va être très facile à jouer. On va pouvoir faire des émissions ensemble. S'il y a des viewers et des streamers et des streameuses que j'ai pas que je pense pas forcément aller leur demander si ça leur intéresserait un de ces quatre de faire l'émission et qu'ils veulent me demander s'ils peuvent participer, n'hésitez pas à venir me MP, à me le demander, à me le dire sur le live pour que je vous MP après. Là on fait des pilotes, on fait 2-3 pilotes, on va faire un avec Julioun, deux autres je sais pas encore à qui je vais les faire, et après on fera des vraies émissions. C'est des émissions qui durent entre 30 et 45 minutes voire 1 heure. J'ai testé tout à l'heure, ça pourrait durer entre 40 et 1 heure maximum de live. Et coucou mon cher deck! Le salut, du love et des bisous, deck, comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu, deck, en ce samedi 17 octobre 2020? Est-ce qu'il fait beau chez toi? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Est-ce que tu vas bien, surtout deck, qui soutient souvent la chaîne, très souvent, que j'ai pu rencontrer également IRL. J'espère que tu vas bien, mon cher deck, et qui d'ailleurs, il fait partie des personnes qui est importante pour cet event. N'hésitez pas à aller voir ce soir la seconde partie où je serai plus en forme qu'hier. Oui, parce que dès qu'hier, tu as remarqué peut-être, j'étais miné par mon PC et mon moral était au plus bas pendant le live. C'est un peu dommage parce que c'est ça, c'est une réaction que je ne devrais pas forcément avoir, mais c'est très dur pour moi de ne pas le montrer quand je suis triste. Ça se voit fort. Alors, je bois une petite goutte pour ma lèvre. Hop. Bon, du coup, les amis. Alors, oui, je te comprends, mais tu n'y peux rien. Oui, bah, c'est les aléas du direct, mais bon, ce soir, ça ira 2 fois mieux. Donc, faut penser au présent et se dire que ce soir, ça sera 10 fois mieux. Et puis, en plus, on va rigoler. On est tous des super personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Deck. C'est le mec, il fait semblant qu'il y a le Deck à une chaîne. C'est SO Deck. C'est quoi, regarde, pour le fun, on va rigoler. On va mettre SO Deck. N'hésitez pas à aller follow Deck. Voilà. J'allais dire SO Deck. Ouais, on met un petit SO Deck. Bon, c'est pour si vous voulez follow Deck pour donner du love. Allez, SO Deck. Bon, ça se voit que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Vraiment, je suis en train de rigoler pour dire n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas pour l'émission. Lors d'IT Deck, toi par exemple, ça t'intéresserait de participer à l'émission. N'hésite pas, hein, je ferai gagner beaucoup de récompenses par la suite. Là, je fais des pilotes. Et évidemment, j'ai bien demandé à plusieurs personnes qui voulaient venir. Et ils m'ont dit que ça ferait plaisir de venir. Il y en a énormément que j'ai déjà demandé. Il y en a d'autres que je dois redemander aussi.
Donc ça serait cool de pouvoir faire les pilotes avant. Et non, ça devrait bien se passer. J'ai fait des tests, on pourrait même créer nos boîtes et tout. Donc je vais faire sûrement des trucs comme ça. Follow deck, c'est fait. Ah, t'as raison. Mais moi, je crois que je ne vais pas follow à deck. J'irai me follow à deck après le live. Bon, du coup, et dernière annonce, du coup, ça concerne mon PC. Donc, du coup, j'ai commandé un Shadow. Donc, je recevrai un Shadow, je pense, début 2021, fin 2020 au minimum. Donc, mon PC virtuel arriverait. Ça me permettrait de me dépanner et d'avoir plus de problèmes sur mon PC jusqu'à un achat de PC gamer. Donc, peut-être en 2021, peut-être en fin 2021, je ne sais pas encore quand. Il faut que j'ai des sous déjà et j'ai beaucoup d'achats prévus et beaucoup de projets à faire, donc du coup on verra ça. En tout cas, tout est positif, tout ce qui est à venir c'est que du positif. Alors du coup, on a beaucoup parlé, on a passé genre 26 minutes de live à discuter. On va aller sur Uncharted, je vais vous mettre le jeu et on va démarrer Uncharted. Donc j'espère vraiment que ce jeu va vous plaire, que vous aimez bien Naughty Dog, parce que c'est un jeu de la saga Naughty Dog. Pour ceux qui ne connaissent pas Naughty Dog, c'est une superbe boîte. Alors du coup, moi j'ai le son du jeu, mais il est pas fort. Je voudrais bien le monter plus fort, s'il vous plaît. Alors t'as dû faire appuyer sur une touche. Alors je vais monter le son du jeu, parce que moi je l'entends pas fort. Si oui, trop fort, dites-le moi. Je modifie le volume, je le monte, je le baisse. Vous connaissez. Hop. Ah, le son du jeu est à fond. Alors peut-être qu'il faudrait que je le monte autre part. Alors attendez. Hop, là dans le son du jeu il est pas mal. Alors j'essaie de voir si je peux pas le monter au niveau des scènes. Alors, je vais monter ici. Si pour lui trop fort, je le mettrai dans le jeu au pire. Voilà. Bon, vous me direz ça. On verra d'ici là. On va faire les tests. Donc, du coup, on commence une nouvelle partie. Alors, ceux qui connaissent pas Uncharted, on est Nathan Drake, un grand explorateur qui adore l'histoire, qui adore tout ce qui est l'histoire, etc. Et le quatrième jeu est le jeu le plus long de tous. C'est l'aventure la plus longue qu'on va faire sur Uncharted. On me dit si j'arrive la partie, je crois que j'ai aucune donnée sauvegardée, effectivement. Puisque tout était sur le PS Plus. Allez, nouvelle partie. Alors dites-moi, Jenny ou quelqu'un qui est là, si le son est trop fort, je baisse. Si le son est pas assez fort, je monte un petit peu plus. C'est histoire de pouvoir être tranquille, pour varier le son dès le début. Et évidemment, nous on part sur intermédiaire. On va pas mettre trop dur non plus, on va mettre trop facile non plus, on va mettre intermédiaire. C'est déjà pas mal. Alors vis automatique. On désactive, on va essayer de se débrouiller. Assistance caméra, non. Non, franchement, on n'a pas besoin, on est des joueurs expérimentés quand même ici. Hein. On me dit donc. Est-ce que le titre est bon d'ailleurs? Est-ce que la catégorie est bonne? Ah, bonne question, je crois que c'est bon. Alors, non, catégorie discussion. On est en catégorie discussion. Ça, c'est pas normal. Pourtant, j'avais bien mis une charte 4 à Chief Hand. Bon, c'est pas grave, on va remodifier ça. Hop, hop, c'est bon. Allez, je vais aller faire une sieste, je suis plutôt fatigué, je laisse le leurre quand même, mais merci Deck, mais oui, reposez-vous, si vous êtes fatigué, profitez de votre week-end, n'hésitez pas, si vous voulez avoir juste en arrière-son le jeu ou ma voix, et puis vous voulez suivre juste en écoutant ma voix, n'hésitez pas, et si vous devez y aller, parce que vous devez y aller, il n'y a pas de souci, évidemment, beaucoup de love à vous, et puis à tout à l'heure, de toute façon Deck, dans tous les cas, on se verra ce soir. Bon, on continue, on y va, hop. Mais c'est parti. Ouais, repose-toi bien, exactement, Ginny a raison. Allez, sauvegarde en cours, le chargement se fait. Et nous sommes partis pour débuter cette aventure. Incredible. J'espère que ça va vous plaire et que le jeu va pas être trop trop triste. Ah ça, non, ça cache pas grand-chose. Si jamais on voit que ça cache plus le bas à droite, c'est pas bon, il faut mettre en haut à gauche, en haut à droite la caméra. On modifiera la position de la caméra, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que. Voilà. Allez, on est parti pour l'aventure. Direction, je ne sais pas où. Enfin, je ne sais plus comment commence ce jeu. Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. Henri Avery, 1694. C'était un message qui date d'il y a 17e, 18e, 19e, 4 siècles. Un message qui date de 4 siècles en arrière. Oh mon Dieu, nous sommes dans un bateau. Parce que je vois de l'eau, alors c'est un bateau. Ouais. Nous sommes dans un bateau et ça tangue. C'est pas. Pas Allez, vraiment. Nathan, on croit en toi. Tu vas tout faire de nous. Accroche-toi! Ah, le bateau qui tangue beaucoup. Nous sommes avec Nathan et. Attends! Le son est fort, non? Oui, nous rattrape! Oui, je sais! Les bombes et les gaz! J'ai baissé le son. J'ai baissé le son était trop fort.
Il peut pas me dire Jamie, est-ce que son micro fort ou quelqu'un. Je ne sais vraiment pas. Ok, accélérer R2. Donc là, c'est pour apprendre les touches du début, etc. Le son est bien. Ah bah merci Jamie. Merci beaucoup. Donc là, on a la caméra pour voir à gauche et à droite. Donc on va réinitialiser la caméra. Hop, oulala, ça me tire dessus. Ok, il y a plein de bateaux qui me tirent dessus. On sait pas ce qui se passe. Nous comprenons rien. C'est une situation un petit peu spéciale. Olé ! Attention. Attention. Esquivons. Attention. Alors là, vraiment, ça va être juste de l'introduction. À mon avis, il n'y a rien de faire de plus à part avancer et conduire notre bateau. Hop. Allez. On va essayer de détruire ce bateau-là. Hop. Bon, alors lui, je l'ai coulé comme le Titanic. Hein. Ok, il y a beaucoup de bateaux, hein, je trouve, quand même. Pour une petite mer comme ça. Non, elle est grande, la mer. Il y a quand même beaucoup de bateaux. Hein. J'ai l'impression qu'on peut envoyer l'armée entière. Je sais pas ce que fait-il. Oh là, oui, c'est un gros bateau. Ok, on va faire attention au gros bateau. Oui. Ne guettez pas, je vais faire attention. Parce que le gros bateau va faire une attaque. Ce Huntington-là me rappelle un peu le début qu'on avait dans le 2. Hein, ce qui se rappelle pour le live. Le 2, le 1. Le 1 qu'on avait fait en tout premier sur la chaîne. On a fait le 2 et le 3 également. Oulala. Là là. Ok, maintenant enfoncé pour remonter. Voilà, j'espère que la personne qui était avec moi dans le bateau va me rattraper. Et me retrouver d'ailleurs. Allez là. Oh non. Ça, c'est un bateau ennemi. Oh, on a frôlé l'hélice. Hein. Ça commence fort. Effectivement, on est directement dans le cœur de l'action. Effectivement, Jimmy. Nous sommes dans le cœur de l'action et on va remonter. Excusez-moi, j'allais boire un petit coup pour ma lèvre. C'est ça que je prends du gazeux finalement, c'est pour ma lèvre. Ah, il est là. Allez, aide-moi. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Oh non. Ok. On a une arme à feu. Oui, nickel. Allez, on va prendre la visée. Hop. Allez. Premier tir, premier sang, premier meurtre. Sur Uncharted 4. Ok, oulala, lui a lancé. Ah oui, oulala, il s'est loupé dans son tir et ça a tout cassé. Il a tout détruit. T'as réparé le vaisseau, mon pote, ou pas? Oui, le deuxième bateau, il est là. Ah, attendez, on va se cacher. Intermédiaire, on perd comme vite de la vie, hein, j'ai l'impression. Alors, attendez, hop. Là, on peut changer d'arme, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai vu triangle, je sais pas à quoi ça servait. La visée est plus compliquée à manier, en tout cas. La visée est plus... Enfin, elle est plus si facile que ça, finalement. Je sais qu'elle était facile de base, mais non. Ok. Allez, on reprend le bateau, on y va. Hop. On va sur l'île. Donc, ce côté-là, quoi de côté, il y a plusieurs endroits à l'île. Hop, oh là là, on est en train plein dans un bateau là, c'est pas rigolé. Ok. Très bien. Non. C'est pas fait exprès, excusez-moi. On voit pas grand chose dans cette mer là. Il y a beaucoup de pics hein, dans l'eau hein, quand même. Hein. On croirait qu'on est sur l'île de la mort. Hein. On arrive dans la vallée de la mort, les gars, je crois. On voit plus rien après. Il y a de la fumée. Oh mon dieu! C'est passé. Pourquoi? Nathan. Oui. Nathan, on te parle. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'allons-nous faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui. Et c'est justement ça le problème. En tout cas, ça commence très très bien. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres. C'était déjà un teigneux quand il était petit. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? Donc là, c'est Nathan quand il était petit, quoi. C'était pas seulement à cause du livre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de comprendre l'histoire au début. Ah. Qu'est-ce que c'était alors? Rien du tout.
Je le dirai en confession. Ouais. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Donc du coup, il est dans une... Qu'on appelle ça d'ailleurs le... L'endroit où t'es élevé par des grandes, par des sœurs, etc. Si quelqu'un il sait le nom, c'est quoi? C'est le, il est dans un couvent, c'est ça? C'est quoi le nom exact, si quelqu'un connaît d'ailleurs de ce genre d'endroit? La dernière fois que j'avais entendu ce genre d'endroit, c'était quand j'ai regardé La Nonne, le film La Nonne. Un film d'horreur très bien d'ailleurs, que j'ai kiffé regarder en tout cas. Personnellement, j'aime bien La Nonne après. Ouais, je sais plus le nom de Jenny, comment ça s'appelle cet endroit-là. L'endroit où, tu, où si une personne s'occupe de toi. C'est un couvent, c'est bien ça. Donc on est dans un couvent. L'appel. Ok, donc là nous sommes Nathan Drake quand il était tout petit, regardez. Enfin on l'a tout petit, on l'a jamais vu tout petit je crois. Même dans le 3, c'était pas tout petit qu'on l'avait vu. Il était déjà plus grand. Ok, donc là, évidemment, comme dans tous les Uncharted, on escalade. Nous découvrons les murs, etc. Et là, du coup, on traverse l'autre côté de ce toit qu'on n'a pas pu grimper. Youhou! Ok, donc on va par ici. On fait à peu près le tour. Évidemment, on monte par la fenêtre. Hop, okay. Attention. Pas qu'on me repère. Ouais, ouais, faut pas qu'on me repère parce que sinon, je suis pas dans la merde. Si on me repère, les amis, dites à ma maman que je l'aimais. Non, attendez, on va faire ça tout discrètement. Il faut juste pas qu'on soit trop... Oula. Ok. Ok, ça c'est le monsieur qui s'occupe peut-être du couvent ou un père supérieur, je ne sais pas. Quelqu'un d'important en tout cas dans ce lieu. Je comprends. Hop. Allez, dans le bureau. Ok. Il parle de moi là. D'accord. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, papa. Les gars ont compris, tu sais. Mais on perd. Vous avez compris quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est barrée. Ok. Moi, faut que je parte par où? Par la porte qui va à la droite? Ok, on y va. On s'en va. Ok. Alors là, nous avons un document. Avec nous. Donc c'est leur dossier qu'ils sont en train de traiter. Alors on va le lire. Pensionnat pour garçon de Saint-Francis, rapport de comportement. J'ai surpris Edouard en train d'agiter un des livres de Nathan pour l'embêter. Malgré sa petite taille, Nathan a immédiatement bondi sur Edouard et a réussi à le faire tomber. J'ai accouru pour séparer les deux garçons. Mais ils avaient déjà eu le temps de se rouer de coups. Signature administratif. Père Ryan Duffy, c'est le monsieur qui était sûrement là en train de parler avec madame la sœur. Donc rien de plus à lire. Évidemment, nous avons pu lire notre dossier, ça c'est cool. Alors, on dit, faut qu'on suive la salle où... Ah non, il est dans un pensionnat. Ah, ok, d'accord, c'est un pensionnat, d'accord. Merci du coup, Jimmy. Donc, la porte est fermée, donc... Effectivement, on est dans l'endroit où il y a la sœur qui est juste là. Hop. Hop. Très bien. Donc là, il y a une sortie par là-bas. Alors, la sœur qui est en train d'être... qui est en train de faire quoi, là? Voilà. Qui m'a l'air de faire le tour. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ok. Elle m'a pas vu. J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fume une cigarette. Très bien. À la fenêtre, hein, parce que hein, y a les enfants. Faut pas les infectier. Ok. Les asphyxier, pardon. Elle m'a vu? Je crois qu'elle m'a pas vu. Hein. Je crois qu'elle m'a pas vu. Sœur Catherine! Hein, elle a pas le droit de fumer normalement, c'est illégal. Allez, Sœur Catherine, s'en va. Je me dépêche de me barrer. Hop! Voilà, Sœur Catherine m'a pas vu. Hey, y'a un monsieur là-bas sur le toit! Qui est-ce? Attendez, y'a un monsieur sur le toit. Effectivement, on va essayer de le suivre. Ok. Alors. Hop! Ah bravo la sœur. Ah ouais t'as vu elle fume. Normalement t'as pas le droit dans un... Tu es... c'est pas... Enfin, c'est pas dans ses... dans sa religion. Hein. C'est pas très bien hein. C'est un péché.
Moi, je fume pas personnellement. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Quand tu fumes, tu peux pas me permettre de dire ça. Sam. Ah, qu'est-ce que c'est que ce projecteur, Sam? Voilà. Surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Ah, c'est notre grand frère. Attends. Qu'est-ce que t'as là? C'est Sam. Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Dis ça parce que ça t'énerve. Mais oui, c'est pas... Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais parié. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais. Ouais. Tiens. C'est ça qu'il faut faire des fois, faut pas être susceptible. Bah, bon, je le suis par moment quand même. Donc, alors, c'est pas bon. Il faire ici, en fait. Faut changer ça. Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi. Ah, ça pouvait pas attendre. Quelle est la surprise? Quel est le cadeau? Je voudrais avoir la surprise. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ok, on va suivre notre frère qui nous a amené vers une surprise. Ah bah attends, il dit qu'il y a une surprise pour nous, à mon avis. Moi, je voudrais bien savoir ce qu'il y a. Hein. Allez, tu m'attrapes? Allez, donne-moi. Hop, c'est bon, mon grand frère m'a attrapé. Dis donc, je suis léger. Les sœurs ne donnent pas à manger ou quoi? Ah bah les sœurs, elles ne me donnent pas à manger, non, effectivement. Y'a personne là-dedans. Est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais. Hop, on va essayer évidemment de suivre Nathan. Sam, avec Nathan. Voir quelle est la surprise que notre grand frère va nous donner. Je me demande ce que c'est d'ailleurs. Enfin, je crois m'en rappeler, mais je suis pas sûr. Hop. Alors. On va suivre le frère sur le toit, parce qu'évidemment, le toit, c'est l'endroit le plus facile à passer quand on est dans un jeu vidéo. Je vais me préparer à manger, moi. Mais pas de soucis, Jenny, y'a pas de soucis, prépare à manger. Y'a pas de soucis. On va continuer cette belle aventure, comme d'habitude, on va essayer de... d'avancer du mieux qu'on peut et comme il se doit, je suis là mais occupé. Y'a pas de soucis, Jenny, y'a pas de soucis, régale-toi si tu vas manger. Tu n'as pas encore pu manger, moi j'ai mangé ce midi, mais j'ai pas pu manger mon assiette en complet, donc du coup, comme il y a du ketchup dedans, je vais peut-être la faire réchauffer, mais pas très longtemps. C'est de la finir après, après le live. Bien, suis-moi. Allez, follow me. Ok. Et maintenant, prends la voie des airs. Allez, tel Spider-Man. Bien joué, l'ami. Allez, envoie-moi la corde après, dès que t'es en haut. Allez, viens. Ok, envoie-moi la corde. Ok, donc c'est bon, il m'a envoyé la corde. Maintenant, elle est enfoncée. Ah, ok, d'accord, on grimpe comme ça. Elle est enfoncée et on va le dieu aussi vers le haut. Très bien. Nous sommes arrivés. Elle récupère la corde, évidemment. Ça, c'est bien, c'est mal à ça. Toi, tu fais quoi en ce moment? Je bosse principalement. Tu bosses sur quoi? Avec cette fille. Qui ça? Ah, Cristal. Ah, quel chopin notre frangin, hein. Il a des copines. Il chope des petites copines par-ci par-là, il a raison. Écoutez, hein, son train de vie actuel à monsieur Sam. Ok. Ok, ouais, mais moi j'ai pas de vitesse. Hein. Oh, attendez, il va falloir que je. Tu vas y arriver. Ok, bah attendez, laisse-moi prendre de l'élan. Y'a pas une touche pour courir plus vite. Hop. Ah, c'est bon. Je te tiens. Tout juste, hein. Tu vois, ah, si jeune et si insouciant. Un peu peur de la mort, on dirait. Reste avec moi. Ok. Simon, notre grand frère. Ok, qui est juste ici. Hop. Attention. Ça t'a plu, hein. Hop. Ça va. Il s'accroche déjà au mur à ce stage-là, il était déjà très très fort, notre cher Nathan National. Ok, on passe en dessous de ce okay. Chantier, enfin, de ces grands escabeaux géants. Ok, on va monter vers le toit, hop, ici. Hop. On suit toujours notre cher grand frère, qu'on adore. Ah. Hop, allez, on enchaîne. On arrive bientôt à ton cadeau ou pas, mon grand frère? Parce que là. Oui, Tarzan, go! Je suis prêt à aller balancer de liane en liane. Ah, c'est moi qui commence! Ouais. Eh bah, go! Go, c'est balancer de liane en liane alors! Effectivement! Hop! Le saut était fait! Hop! Ok! À toi, grand frère! Viens nous rejoindre! Viens nous rejoindre dans cette belle aventure!
Allez, accroche-toi. Yes. Bien joué. On va où ensuite? Là, je regarde un peu les lieux. On est passé par où? Ah, d'accord. Faut qu'on saute ici. J'arrive, j'arrive. Ah, je vais faire le tour. Très bien. Ah, il fallait savoir ça. On fait le tour. Très bien. Nous arrivons juste après. Ok. On arrive ici. On a une belle vue ici. Ouais. Mais j'ai pas de vitesse, moi. Pas mal. Ah, mais il y en avait une de vitesse, évidemment. T'es déjà monté ici avant? C'est une Ferrari, le mec. Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Ouais, bah c'est. Je crois moyen. Hein. Ça, où il va là. Allez, on va par là. Ah, merde, Nathan. J'ai pas compris, il fallait aller où? Mais non! Pas croyable. Ah, j'ai pas vu, il avait sauté où? T'es déjà monté ici avant? Sur ce toit en particulier? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ah, il a fait le tour. Hein, il était là. Allez, tu restes ici. Je crois qu'il avait sauté, moi j'avais mal vu. Ok, c'est ici qu'on va faire le saut de l'ange. C'est ton tour. Laisse moi attendre de me préparer. Vas-y, lance-toi. Je suis là, regarde. Oh, oh, oh. Oh, oh. Heureusement qu'il m'a attrapé. Ah, ça c'est un bon franc, ça. Il m'a rattrapé très très vite, j'ai eu peur. Hein. J'étais en train de me dire, oh là là. Ouh, on est chaud. On peut dire qu'on a eu de la chance. Ouais. Les doigts dans le nez. Bon, et où ton cadeau là? Parce que là on va loin, 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 mais on veut le cadeau nous. Ok. Bien, suis-moi. Je te suis, I follow you. Allez. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? Allez, je balance la corde. Ben, on va apprendre à balancer une corde. Ah, le frangin qui a appris toutes les techniques d'avant. Tu me montres le chemin. Attention, hop, 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 hop. Et voilà. Maintenant. C'est parti. Ouh, ouh. Eh, j'ai géré, hein. Je sais pas ce qu'en pense mon frangin, mais là, j'ai géré. A ton tour, frangin. Bien joué, frangin, bien joué. On va où maintenant? Ah, il y a une échelle. Bien vu. Ah, bah, on arrive dans la ruelle, c'est-à-dire qu'on arrive vers la fin, non? Parce que là, on marche dans la ruelle, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et nous voilà dehors. Oui, le cadeau. C'est le cadeau. Super. Comment tu la trouves? Hein? Wow. T'as une 250? Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Elle est très belle. À qui tu l'as volée? C'est vrai qu'elle est très très belle. C'est pas très sympa, ça. Bah, justement, puisque t'abordes le sujet... Vous avez les... J'ai tout changé, tu sais. Les motos, mais j'aime pas monter dessus, j'aime bien le... Allez, viens. Physiquement. Quoi? En général, quand tu fais un truc de genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par jouer les tours d'être aussi malin. Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai trouvé du boulot. Ah. C'est bien payé. Très bien payé. Inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Oh mon dieu. Combien? Mon frère m'abandonne. Non. Tu peux pas faire ça, frangin. Grand Max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte. T'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine. Ah ouais, je comprends qu'il peut être énervé. C'est cruel de me laisser pourrir ici. Et tout seul, le pauvre, c'est... Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si ses parents, ils sont pas là pour l'aider. Tout cet argent que je gagne... Y'a que son frère. Et dans 2 ou 3 ans, quand tu sortiras... 3 ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Ouais, mais faut être passant dans la vie des fois pour être récompensé. J'ai rien assez tout seul. Mais donc, je peux aussi. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. J'imagine même pas. Si, mais... Ça craint l'orphelinat. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Hey. C'est pas juste, effectivement, mais faut faire attention. Ça nous a pas arrêté. Pas vrai? Au début, c'est beaucoup de dialogue, évidemment. Vous connaissez les l'Uncharted, beaucoup tu de dialogue sais, au début. Cette moto, et après, l'action arrive. La mais à quoi bon faire durer le suspense? Quelle surprise! J'ai retrouvé les affaires de maman. Ah! Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. C'est où? Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Ouais, c'est où? De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Allez, moi je suis chaud. Tu veux qu'on les vole? Bah, c'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qu'il y a nous.
Moi, je suis chaud. Personnellement, je suis chaud d'aller récupérer les affaires. Ça me permettrait de savoir un peu l'histoire de notre famille. Allez, Sam, démarre-moi ça et rends-moi chez. Carrément. Chez maman. Ou en tout cas, là où ils vont exposer les affaires de maman. Ah! Pas du tout. Finalement, on se retrouve en train de se faire tabasser par quelqu'un. Ah, donc là, nous sommes avec Nathan un peu plus vieux déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est parti. Alors, qu'il touche à faire carré pour attaquer. Voilà, ça c'est bien ça. Allez. Viens. Je vais traîner ton compte. Esquive. Oh là là, bien Nathan. Hop. Allez. Oh, belle patate. Bien joué. Oh, lui on le massacre. Hop. Voilà, mets-lui un coup à lui. Ah mais ils sont en équipe aussi, c'est de la triche. Ils sont plusieurs contre moi là. Hop. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, y'a pas un autre contre que ça. Allez, viens. Comment contre? Ok. Faudrait que je le frappe, à un moment donné, je pourrais peut-être le contrer autrement. Allez. Esquive-moi ça, là. Bien joué. On me l'a cassé le nez. Allez. On va lui briser le nez et on va en finir avec lui. Hop. Allez, pour l'instant, on enchaîne. Ah, il y a un petit prise de catch. Bien joué. Hop, hop, hop. Ah, mon Dieu. Allez, on compte, on compte, on compte, on compte, on compte, on compte, on compte. Allez, va me bousiller, celui. Ouh, la droite que je lui ai mise, elle a séché. Allez, allez, massacre-le. Mais idiotas de quoi? C'est lui qui m'a commencé, là. Hop. C'est lui qui a commencé. Facile de dire que c'est moi. Hein. On est où en fait là? En prison quoi? Il y a plein de prisonniers on dirait. Ah c'est ça, c'est une prison. Allez, ouais, on entre en cellule. Combien de temps je vais devoir couper la tête? Cellule de dégrisement. Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Ça c'est le pire ça. Gracias. Là, j'espère qu'il peut t'arriver quoi. Celui-là il est infernal. Ok, bah Nathan il est en train de couper dans sa cellule tout seul. Et on sait pas ce qui lui est arrivé, pourquoi il est là, on sait pas, on comprend pas. Est-ce que le jeu il est après le 1, 2, 3, avant le 1, 2, 3? On ne sait toujours pas non plus. Ce sera dit peut-être à un moment donné. Dommage, j'étais en train de faire un. Rappelons qu'on a fait le 1, 2, 3 sur la chaîne également. On se calme, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Je peux sortir de prison, monsieur, s'il vous plaît. Enfer sur Terre, on est déjà au chapitre 2, du coup. Ok. Infernal Placer. Ok, je sais pas qu'on peut dire Placer aussi pour sur Terre. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Difficile à dire au fond de ce trou. Bonsoir, bonjour. Je vais te ramener quelque part, je ne sais pas où. Ok, on va essayer de voir, on va où. On sait, ok, ok, on monte en haut, on monte en haut, on monte à l'étage. Très bien. Salut. Ok, bonjour. Enchanté. Moi, c'est Nathan. Je suis le chef de prison, je sais pas si c'est le chef ou pas, mais en tout cas, celui qui a. Il a l'air d'être très connu. Oui, laisse-moi tranquille. Je vous parle pas à vous. Vous parle pas à vous. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, public adoré. Public d'amour. Ils m'ont tous frappé tout à l'heure. C'est un complot. Qu'est-ce que. Ah, il m'a attrapé, hein, vous avez vu. Hein. Il était en train d'avancer normalement, il m'a attrapé comme ça. Hey, reviens en arrière, toi. Tu n'avances pas comme ça. Hein. Tu parles un peu espagnol, tu sais. Il y a un humour que j'aime bien. Attends.
Y'a pas peur de provoquer les gens pour rigoler, tu vois. C'est qui vient. Ok. Je suis dans le groupe de ce monsieur là. Ok. C'est en train de massacrer, mais c'est le gars tout à l'heure qui m'a frappé, non? C'est en train de le massacrer là. Pardon, excusez-moi, je ne connais pas la route. Il est par là, c'est ça? Ok, ouvrez-moi la porte. Ok, j'ai pas fait gaffe. Ok, je savais pas qu'il fallait aller vers la porte. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Non, t'es égout là. Fallait où, monsieur? Vous attendez, hein, je voulais pas me barrer, qu'on croit que je suis un mec qui s'enfuit. En droite, ok. Ouais, la porte est ouverte, monsieur. Ok, il m'attrape avant, évidemment, en mode ne t'enfuis pas, hein, mon petit coquin. Hein. Après, avec les menottes, j'allais loin. Hein. C'est sûr qu'avec les menottes que j'ai là, je vais aller très très loin. Ok. Ok, tu me les enlèves, okay. Ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Ok. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme. Ah, d'accord, il est entré par envie dans cette prison. D'accord. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais, j'aurais jamais dû non plus me laisser acheter, ni vous emmener dans cet endroit. Ok, on passe une partie, allez. Mais c'est comme enfin. Ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins. Vous connaissez, hein. S'en fout. S'en fout. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avril. Tu sais de qui il s'agit. Henri Avril. Un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. Eh ben, on va rentrer ce butin. C'est un peu le but du jeu, non? 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Ah oui. Le Guts. Ah, il a fait. Il a l'air d'être plus jeune comme ça. Attends. Où est-ce que tu veux en venir? Enfin, il n'y a pas la barbe, comme moi quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette barbe-là, j'avais moins de barbe. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Il y a une partie. Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal, alors cherche une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Allez, tu vas y en être. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste. Alors pareil, hein. J'essaie de pas trop parler pendant les cinématiques, hein. C'est un peu le but aussi d'un let's play. D'un jeu d'histoire comme ça. C'est de pas parler pendant les cinématiques le moins possible pour que vous puissiez aussi vous écouter avec moi le jeu. Por favor. Por favor. Et comment tu comptes? Gracias. Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même. Là, c'est mille. Parce que tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Allez, une survie de loin, je pense. Il y a peut-être un sniper ou quoi pour me surveiller, non? T'as apporté ce que j'ai demandé? Ok, une corde, c'est ça? Une arme? Faut voir. Qu'est-ce qui nous a ramené? Est-ce que tu m'as ramené ce que je t'ai demandé? Où est-ce que c'est ce truc? Qui m'a demandé, qui m'a caché le truc. Enfin, ici, tu peux cacher ce que tu veux, il y a des lianes partout. Hey. Allez, nouvelle tentative. Hey, il faut passer par là. T'as compris, hein. Ok, c'est vers le bas. Il a caché quelque chose apparemment, mais je sais pas où. Il a caché quoi? Il a rien caché, menteur. C'est un menteur. Je suis bloqué, moi. Attendez, j'ai pas compris, il a caché quoi? Attendez, je vois un petit peu, hein, parce que c'est moi qui ai mal vu, mais il a caché un truc. Ah, en bas, il a dû cacher un truc, il faut regarder. Ok, là. Ok. Et voilà, les doigts dans le nez. Un peu plus loin, à mon avis, il a caché un truc. Ok. Nous voici dans l'aventure. Enfin, on va contrôler notre cher Nathan plus vieux cette fois-ci, et pas plus jeune. Donc on aura plus de choses à devoir faire, à mon avis. Comme récupérer la corde qui est là. Les affaires reprennent. Pour escalader. Et
peut-être rentrer dans ce truc qui, je pense, est très profond. Et pousser cette caisse pour grimper sur le toit. Effectivement. On le savait, ça. Eh ben non, ce n'est pas ça. Ah, il faut pousser là-bas, ok. Il faut pousser en arrière. Ok. On pousse contre le mur, évidemment. Hop. On the floor. Ok, donc du coup, là, il y a la tour qu'on doit visiter apparemment. Je vais arriver là-haut. Et la corde que je viens d'obtenir, que je vais lancer par là-bas. Donc on fait le L1 et on relâche L1 pour lancer le truc. Quand c'est fait ça, c'est accroché. Ok, hop. Nous allons sauter. Ensuite, on se rend là-bas. Hop. Ok, donc on fait le tour, évidemment, pour pas tomber bêtement. Aïe, 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 aïe. Oh oui, ça sentait la chute arriver. À plein nez, ça sentait la chute arriver. Ok. Alors, il faut que je glisse. Ok, tout juste. Hein. Heureusement que Nathan, il est expérimenté et qu'il sait faire des bons sauts, etc. J'ai vraiment hâte de raconter ça, ça. Ça me fait plaisir de faire du Uncharted 4, sachez-le. C'est vraiment un jeu que j'attendais de pouvoir vous faire faire. C'est vraiment la continuité des trois premiers qu'on a fait sur la chaîne. C'est le plus long des quatre. Enfin, on compte pas Lost Legacy et Golden Abyss, parce que Golden Abyss, c'est une version spéciale pour la PS Vita. Et Legacy, c'est une différente histoire parallèle de Nathan. Alors du coup, désolé, c'est une petite pause pour ma lèvre. À savoir que ça me brûle énormément. Ça me brûle beaucoup. Mais je vais prier... Je sais pas si on peut mettre des trucs, des pommades ou quoi dans la lèvre. C'est un peu bizarre de dire ça. Parce que ça me brûle beaucoup, j'aime pas ça. Non, c'est... Je peux rien y faire. On peut grimper ici sur la tour. Donc on grimpe tout en haut, du coup. On arrive en haut de la tour. Ah, ça va s'écrouler, non? Non, ça a l'air d'être bon. L'atoll est très solide. Ok, très bien. Hop. On grimpe. On va essayer de grimper ici. Alors, ici, il y a de l'escalade à faire. Hop. Hop. Ici, on escalade de nouveau. Again. Ah non, il faut aller vers le bas. Très bien. Oh là là, vite. Ça va s'effondrer, ça, non? Ça se fait peur quand tu vois un truc comme ça qui bouge d'un coup ou tu escalades. Tu dois avoir ton cœur qui commence à battre à je sais pas combien à l'heure là. Le stress assuré. Alors, on est. Ouais, moi non plus, j'ai du mal à croire. Ok. Hop. Allez, casse-moi ça. Tire. Casse-moi ça. Allez. Ah là là, ça n'a pas marché. T'aurais pu marcher, mais ça n'a pas marché. Allez. Allez. Tire. Allez. Non, c'est pas. Faut trouver une autre façon de casser le truc. Ouais, c'est bien ce que tu pensais. À mon avis, il faut que je. Ah, attendez, il y a un trésor. Oh. Intéressant, bon, on va pas aller faire les trésors, on est dans un. On est pas là pour ça. Là, faut que je saute, à mon avis. Alors, faut que je fasse ça. Non. Il va pas. Faut que je saute. Hop. Ouais. Allez, sauter comme ça, c'est la seule façon de casser le truc qui est là. Allez. On va y arriver, mon pote. Hop. Non, ça va pas, hein. Maintenez L1 et L pour tirer la corde, c'est ce qu'on vient de faire plusieurs fois. On maintient L1 et L. Ok, c'est juste ça, d'accord. C'est juste, j'ai mal le fait le truc. Je peux rester appuyé sur L1 en fait très longtemps. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Yes, il est trop cool, c'est vrai. Alors, on continue par ici. Hop. Alors, on va continuer à escalader par là.
Alors ici, il y a un passage dans la tour, dans le, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça ressemble plutôt à une suite. Ah, il y a un code secret. Alors. Ok, il y a un code à offrir pour sortir de la salle. Première énigme. Alors. Ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Ouais, ils doivent avoir un sens. Alors, regardons au plafond. Regardons sur les murs un peu plus haut. Peut-être qu'il y a des chiffres à faire. En face, peut-être qu'on voit quelque chose en face. Ok, et là il y en a 10. Qu'est-ce que c'est ? Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Ouais. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose. Ah, il y a quelque chose dans une de ces notes qui permettra peut-être de comprendre le truc. C'est bien une partie du symbole. Ok, tournez. Ah, voilà l'autre moitié. Alors. Comment on va faire ça ? On va tourner. Et on va plier le document afin d'avoir le fameux code secret. Ok, alors j'ai deux signes du zodiac. Ok, on va tourner le document à nouveau. Sagittaire et Scorpion. Sagittaire et Scorpion. Alors, Sagittaire et le Scorpion était lequel ? Ah, je l'ai pas retenu le Scorpion. Attendez, je vais remettre le document parce que je l'ai pas retenu. Donc la flèche et le M avec une flèche. La flèche... Et le M avec une flèche. Alors attendez, j'essaie de comprendre. Donc le M avec une flèche, il est là. Et la flèche... Où est la flèche ? Où est la flèche ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Alors c'est le X. Donc c'est le 10. Faut activer le 10 qui est quelque part. Chiffre romain 10. Donc on retire, on appuie sur le 10. Rien. Non ? Rien ? Qu'est-ce que disait la lettre déjà ? Ah oui, attends, on va relire la lettre parce que peut-être qu'il y a un indice que je n'ai pas capté. Attendez, hop. Comment je peux relire la lettre ? Hop. Ok, le soleil avant peut-être. Faut appuyer sur le truc du soleil. Donc le 12, non ? Parce que le soleil c'est midi. Attendez, j'essaie de comprendre le truc. L3. Signe Scorpio. Et un 2 en chiffre romain. Ouais. Mais l'autre c'est une flèche. Qui est là. Attendez, on va faire un 2 alors. On va appuyer sur le 2 peut-être. C'est quand même bizarre, je trouve. Non plus, il bouge pas. Là, il y a le 3. Où est le symbole du Sagittaire ? Sagittaire, 10 en chiffre romain. Bah oui, donc c'était 10. Tony, où le 10 ? Il était pas là ? Je comprends plus rien. Non, le 10, il est là. Mais il y a sûrement un autre truc que j'ai pas capté. Il y a une énigme qui est déjà plus étrange quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le soleil. Donc là il y a un 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sors. Le soleil, il est là. Pour ouvrir la porte du soleil, il faut faire le code 10 plus 2, 12. Ah, attendez, c'est le 12. 10 et 2, X et II. Yes, of course. J'ai compris. Bien joué les amis. Enfin, j'étais seul sur le coup, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Oh, on a bien joué. Alors, tournons ce document. Ça, ça sent un code secret pour plus tard, ça. Ok, on regarde ce document. Non. Cet objet avec nous, hein, c'est pas un document. Est-ce qu'on a autre chose ? Bon, rien de plus. Ouais, mais c'est peut-être un indice. Il est temps d'y aller. Allez, quittons les lieux. Quand on ouvre cette porte. Ah, on peut l'ouvrir en fait. C'est parce que si vous voulez finir cette énigme. Ok,
on fera en sorte de ce truc. J'ai bien aimé l'énigme, il fallait additionner les sommes. Il fallait faire le 10 et le 2. C'est bien joué. La première marche est dangereuse. Ok, très bien. Ben, on saute. Hop. Ok, très bien. On va descendre en rappel. Parti. Allez. Comment descendre en rappel? Ben, comme ça. Attention, ça glisse. Il va falloir sauter au bon moment. Pour s'accrocher. Hop. Ok. On monte en haut dans les barreaux. On monte et on fait le tour comme ça. Hop. Nickel. Ça fait plaisir. Ok, on fait le tour. Oulala, oulala. Attendez. Laissez-moi le temps de comprendre ce qui se passe. Hop. Oh, oh, on est chaud. Hop. On appuie sur le grillage pour pouvoir ouvrir cette ouverture incroyable. Voilà, bah c'est bien ça. Et du coup, eh ben on a fait le tour, mais là on va retourner voir le monsieur là qui va nous demander ce qu'on a trouvé du coup. Et en vrai il va nous voler notre truc du coup le gars, parce que lui c'est gardien de prison, il est obligé de faire les choses mais logiquement. Il me fait peur hein, quand même. J'ai l'impression qu'il faut pas lui faire confiance à ce gars là. Déjà il a contre... Enfin il veut nous laisser limite je pense croupir dans la prison pour récupérer le truc lui. Je le sens pas trop. On verra. Là, il faut qu'on retourne vers le gars là. Pas s'enfuir là. Pas s'enfuir. Obligé de retourner là-bas. C'est chiant quand tu retournes en prison parce que du coup tu peux être piégé à tout moment. Il suffit que t'es tombé sur un connard et qu'il trahit. En fait, tu t'es fait avoir quoi. C'est bon, on est là, monsieur. Bon travail. Allez. T'as trouvé quoi? Allez, on lui dit quoi? Allez, on lui dit quoi? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? Ah, bien, regarde au bon endroit. Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber. Mentir, c'est pas bon. Hein. Il suffit qu'il trouve l'objet, il va nous tuer. Est-ce qu'il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Alors, on est en cellule. Alors, on va en faire le tour et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam. C'est lui l'expert sur Avril. Ça se trouve, il comprend tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ton frère, Sam. Ok, pour l'instant, il sait pas qu'on a l'objet. J'espère qu'il sera regardé d'ailleurs. Ok, c'est très bien. De toute façon, on avance à notre façon. Parler. Viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. Ok. Merci. On l'a menti. Hein. On l'a menti par contre. Et s'il le sait, c'en est molle. Notre frère, c'est ça? C'est notre frère du coup, lui. C'est Sam. C'est le gars qui est dans le bateau du coup, c'est moi aussi, c'est Sam. Il lui ressemble là, avec ses cheveux. Oh la vache, il t'en vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine. Viens, méchant. Allez, viens. Eh oh, tu vas quand même pas faire du suspect. T'avais raison. Ah, c'est Sam qui l'a mis sur la piste. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Oh, j'écoute. Tout ça fait souvent. Sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Ouais, Vargas, il l'abuse. Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Mais après avoir... Tiens, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh, mon mec. C'est qui lui d'ailleurs? Si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. C'est quoi? Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. S'évader peut-être. Comme Prison Break. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait un jeu Prison Break sur PlayStation 3. J'essaie de me la récupérer quand on aura PS3, on se fera ça, on rigolera. On se fera un one shot. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu cet objet. Eh oui. Est-ce que je peux
Allez, on lui fait confiance. Même s'il a une tête, pas de confiance. Hein. Ce regard, il est trompeur, ça voit que c'est pas quelqu'un de bien. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement crevé. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Qui est cet homme? Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Je suis pas confiance, hein. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus? Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Quelle langue c'est, tiens, d'ailleurs, ça? Nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. Bon, tiens, je viens de voir un truc, je vais faire un tout petit modif en attendant. Donc c'est ça. Je vais vite modifier un truc qui... Il y a un lien dans lequel... Hop, je vais voir ce que ça prend. Vous pouvez m'expliquer, je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, voilà, attention, on a tout le truc. Il était pas bien centré, le... L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là. Il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? Pourquoi il rigole, sa femme? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint-Dismas. Elle est en Écosse. En Écosse. Eh ben, il faut qu'on y va. C'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. Ouais, lui, il est bizarre, lui. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit. Bah, Vargas, hein. Non, un peu. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu. Si. Et là, il vient avec plus de personnes. D'amis. Mira, ya nos ganaste, ok? No tarde para hablar. Qui nous sale? Tu ne te mettras. Ok, lui va envoyer quoi? Oh non, frangin! On va se faire battre avec tout le monde là, du coup. Allez, baston général! Hop, je suis toujours comme ça en prison. Hop. Allez, on massacre un maximum de gars. Massacre tous ses potes en premier, comme ça, il n'y aura pas d'embrouille après. Ok, on peut faire rond pour éviter les coups de poing, mais ça, il fallait le savoir au début. Lui est KO. Hop, bien joué, frangin. Hop, on lui craque deux, allez. Oh, voilà, bien. Allez, esquive-moi ça. Hop, lui KO. Ok. Il y a encore combien d'hommes à lui, là? Hop. Allez, on les massacre tous. Hop. 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 Il est là. Il est juste là, c'est lui. Allez, viens voir, toi. Je l'ai pris. Hop. Enfin, je sais pas si c'est lequel. Ah non, c'est lui. C'est lui. Hop. Allez, on s'occupe de son cas. Mais là, qui sait se battre, hein. Il nous avait déjà affronté récemment. Hop. 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 Oh, il est fort. Allez. 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 Hop. Hop. Oh. Allez. Boum. Oh non, il m'a attrapé. Venez m'aider, les gars. Ok, ya basta de hablar. Hop. Bien joué, Vargas. Ouais, ça sent bizarre, cette histoire. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. Ok. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Oh mon dieu. Ça sent les problèmes, ça. Est-ce que tu fais de la contrebande à votre race? Cállate! Pour qui est-ce que tu prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Oh mon dieu, ça sent la merde, ça. Tu viens de me dire Vargas. Vargas, il faut que je vais sortir d'ici en fait. Peut-être qu'il comprend pas lui. Allez Vargas. Déjenos. C'est-à-dire lâchez-les et en gros ils m'ont parlé à 3, à 4. Est-ce que Vargas il a du coup ou est-ce qu'il va nous piéger, tiens? C'est la bonne question, ça. Ça t'en a pris du temps, on a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Hein? Vargas? Mais sérieux là? C'est un connard, ça se sentait. Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est pas eh oui, mais c'est pour pas que non. Tu nous fais chier là, Vargas. Il y a des catholiques pure souche, tu sais. Toujours une sur moi.
Il rigole pas. Vous me prenez pour un con. Si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la raquette du tiers. Tu vas faire quoi de ça, Arias? Allez, pose ce flingue. Il faut quelqu'un d'aussi intelligent que moi ou mon frère pour que tu sois. Qu'est-ce qu'il y a à nous faire? Je te propose de passer ta part à 10%. 50%. Bah non, tu sers à rien, toi. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. C'est vrai. Là, je suis d'accord avec le gars bizarre. 25%. Comme vous autres. Ouais. Allez. Allez. Enfin, c'est pas très raisonnable, vas-y, si tu veux faire ça. 25% chacun. C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Oui, ça va. Alors, marché conclu. Ça va, attends, c'est une belle richesse. Super. Mais si jamais vous essayez de me toucher. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais il est bête. Mais tu es vraiment bête. Ah ouais, lui, il est bizarre, en fait. Mais putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu vas vraiment le savoir. On va sortir comment? Il est bête, lui. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Tu vas regasser, on sort comment, nous? Suivez-moi. Oh, voilà, voilà, bravo. On va recruter le mec le plus bidon de l'histoire des jeux vidéo. Franchement, ce gars-là, incroyable. Bon, bah, on est en pleine fuite de la prison. Hein. Allez. Ok, petit, se barrer. Allez, go. Allez, venez, les gars. Allez, viens, mec, bizarre, là. Il va nous faire une... foire à notre plan. Ouais, parce qu'évidemment, une fois qu'il a tué un gars et qu'il savait tout ce que c'était, s'il a entendu le tir en avion. Ah, t'es dans la merde après. Allez, Sam, il est où le gars bizarre là? Il le suit ou pas? Oh putain, on s'en fout de lui, hein, qu'il meurt ou pas, bah, c'est bizarre. Hop, allez. Ok. Hop, c'est à cause de lui évidemment que l'émission a un peu échoué, entre guillemets, qu'on se retrouve dans cette situation. Allez, frangin. Allez. Là-bas, les gars, là-bas. Allez, frangin, on ouvre une porte, au moins. Bon. Ici, 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 ici. Vas-y. Allez, ça monte. Mais lui, oh, mais lui, franchement, je sens pas. Hein. Le gars, il passe devant, il tue des gens. C'est un traître, hein, lui. Hein. Il n'hésite pas à trahir deux secondes, là. Hein. Il dit pas d'être qu'il n'est pas Vargas non plus, hein. Aïe. Oh mon dieu. Je me barbe avec des prisonniers, des gars de l'armée. Et lui, il est pas venu l'autre, hein, m'aider. Hein. L'autre, il pense qu'à sa gueule, en fait. Ah, c'est mon frère, il est obligé de m'aider. Attends, c'est la famille. Hein. Allez, go, on se barre. Comment on remonte? Bien. Comment on remonte où? Ouais, il y a un conduit, j'ai pas vu. Bien vu. Allez, on prend le conduit. Hop, allez, on y va. Allez, viens, frangin. Ok, passons à suivre les égouts. Ça, c'est bien, ça. Ça nous permettra de s'enfuir assez vite. Allez, go. Go, 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 go. Je perds pas de temps, les amis. Ok. Hop. Allez, vite, 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 vite. T'es où, frangin? Enfin, il nous a aidé, lui. Eh ben, t'as fait du temps, mec. Hein. Allez, go. On sait même pas où on va où. Allez, vite, 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 vite. On s'enfuit vite d'ici sans mourir. Ce serait bien, quoi. Ok, on suit lui. C'est notre... Regarde, c'est celui qui me permet de savoir où on va. Notre guide. Ok. Ok, on y va, on arrive, on arrive. On se prend des balles, là. Hein. La vraie raison, on serait déjà mort hein, depuis très longtemps. Ne vous inquiétez pas. On aurait peut-être à ce point, là. Parce que la tête se prend des balles invisibles, quoi.
Allez. Vas-y, je peux te hisser. Eh hey, Sam. Hop. Ok, on te le tient. Nickel. Quoi? Sam, non. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Ah oui, il y a une scène de la bouche, il s'est pris une balle. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Non. Non. Oh mon dieu. Sam vient de tomber. Je crois qu'il est peut-être mort, on ne sait pas. Attends juste derrière ce mur. Non, je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Fais comme tu veux. On va où? On suit le mec mystère ou... Ah, on s'en va. Non, Sam. On t'aime, Sam. Allez, go. Ok, go. Oula, ça sent la merde, ça. Il y a un bateau qui nous attendait exprès, là. C'est... La synchronisation. C'est dangereux de faire des choses comme ça. Tu te loupes, tu prends un rocher, t'es mort. T'as éclaté ta jambe ou quoi, t'es mort. Et nous sommes qu'à l'intro. Eh ben. A Naughty Dog Game. Peut-être c'est que l'intro, hein, ces trois chapitres là. Uncharted 4. A Thief's Hand. J'espère en tout cas que ce jeu vous plaît. Bon là c'est très très calme aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, en tout cas ce sera... que le jeu vous plaira. Sinon il y a la rediff dans tous les cas. Moi comme je dis, toujours. Même si il y a certains jeux ou certains lives, ce sera forcément calme sur la chaîne, il y aura quasiment personne, etc. C'est pas possible, même si c'est une petite chaîne. Ben, dans tous les cas, il y aura la rediff, et il y aura d'autres lives. On fera un résumé toujours des épisodes précédents lors des prochains lives. Et moi, ça me plaît énormément de le faire en tout cas. En let's play YouTube, je le ferai jamais parce que je fais plus de let's play YouTube depuis très longtemps. En tout cas, je fais tous les jeux que j'aime le plus sur Switch et c'est un des jeux de PS4 que j'ai le plus aimé faire en tout cas ces dernières années. Ça fait extrêmement plaisir de vous proposer en live, même si il y a tous les jeux qui sont en question. En fait, je pense que tous les jeux peuvent se faire en live. Après, il faut savoir l'animé, c'est très dur, mais moi j'ai encore du mal actuellement. Après, j'ai mon truc de lèvres qui me gêne beaucoup. Des fois, quand je parle, j'ai mal et je me dis, bon, il faudra que je me calme en parlant un petit peu et tout, c'est chiant. J'ai un truc dans la langue aussi qui me fait mal. Ok. Là, il raconte un peu Uncharted 1, 2, 3. Sur les images d'intro qu'on vient de voir là. Et qu'est-ce qui va se passer? Où sommes-nous? Avec qui sommes-nous? Est-ce qu'on va continuer cette histoire 15 ans plus tard? Donc ça, c'était bien avant Uncharted 1, 2, 3, ce qu'on vient d'avoir là, dans l'introduction. Parce que entre temps, évidemment, Nathan Drake a fait plein de belles aventures. On est dans l'eau. Alors, d'après ton signal, et sur les coordonnées, tu vois notre cargaison? Là, écoute, nous sommes sous l'eau, tel un des plus connus Tomb Raider où tu es dans cette scène à ce moment-là. Nous faisons un boulot en Malaisie. Hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter? Non, ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais chercher, laisse-moi chercher. Ok, enfoncer pour plonger et donc croix pour remonter, d'accord, on a vraiment les deux touches possibles, très bien. Of course, that's right. Ok. Alors, sachez que ça va me faire bizarre en tout cas, sachez-le, de faire ce jeu, vraiment. Parce qu'il est très long et que c'est la première fois qu'il le fait sur hors live, enfin en live plutôt. Est-ce que ce serait pas une piste sur laquelle on va aller? Alors j'hésite pas à vous proposer. Point d'exclamation, jeu en vrac les amis, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, j'ai fait deux fois le E. Ouais, je
l'ai encore fait deux fois. N'hésitez pas à faire à voter pour le prochain jeu en vrac si ça m'intéresse. Mais pourquoi je fais des erreurs là? Attendez, J-E-U-E-N-V-R-A-C. Oui, voilà. N'hésitez pas à voter pour le prochain jeu en vrac si ça vous intéresse, les amis. Actuellement, je sais pas qui est en tête. J'irai voir juste après. Tiens, je vais voir si je peux voir sur mon téléphone. Qui est en tête actuellement? Je profite deux secondes pour faire une petite pause. Donc il y a DBZ, l'héritage de Goku, il y a Dark Souls 3, il y a Strong Shape, il y a Resident Evil, Alex Kidd et Fall Guys. Donc il y a bien 6 jeux. Et je vais retirer bientôt de la liste un ou deux jeux. Parce que bon, l'héritage de Goku, ça fait très longtemps qu'on n'a pas voté pour le jeu. Et Resident Evil Resistance, c'est un peu compliqué. Donc je rajouterai des jeux. Et peut-être grâce à l'émission qui va arriver, vous pourrez ajouter vous votre jeu que vous voudrez bien voir en jeu. Alors attention. Si ce jeu est prévu de le faire en let's play, non, je vous dirais non, ce jeu, je vais déjà le faire en let's play, donc ne vous inquiétez pas. Intéressant, L3. J'ai trouvé. Actuellement, l'héritage de Goku et Dark Souls 3 sont en tête des votes. En troisième, pour l'instant, c'est 3 égalités, donc du coup, on ne sait pas encore. DBZ, finalement, il va peut-être reprendre. Ça ne va peut-être pas disparaître, finalement, des jeux en vrac que vous votez. Ok, très bien. Je prends note. Sachez-le, les votes restent encore demain, lundi, après on verra quand je fais le live dessus, évidemment. N'hésitez pas à voter. Hein. Hop, alors je vois un petit peu. C'est bon, je vois l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Il va falloir que j'aille à l'intérieur. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un moyen d'entrée déjà. Peut-être ici. Alors, hop, impossible de bouger à la main. Ah si. Ok, je vais ouvrir des portes. Oh. Allez, rendons-nous à l'intérieur, voir ce qu'il y a. Ok, on a des caisses à récupérer dans l'eau. Hop. Faut que je la retrouve. Ok, alors il y en a une qui est là. Ok, il y en a une qui est là, mais par contre elle est bloquée. Clairement elle est bloquée, ça va être très dur de la sortir. Ouais. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre, et après on soulèvera la remorque. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un petit bug de connexion. Pourtant je suis bien câblé. Attends, dis-moi, je suis bien câblé. C'est bizarre que j'ai un petit bug comme ça, là, de connexion. Ça vient d'où? Peut-être qu'il y a un problème avec OBS. Ça va peut-être venir de Twitch ou de OBS, parce que... Ok, voilà le truc. Donc ça, c'est le truc que je vais réutiliser, évidemment. Ok, tout est en place. Accroche leur remorque. On va la soulever un peu pour toi. Très bien. Ok, merci. Donc là, ils m'ont bougé la remorque, comme ça, on va pouvoir permettre... Oh, mec. Nathan, tu nous fais quoi, là? Hop. Comme ça, c'est bon, c'est bien accroché. On va faire pour l'autre côté. Mais mon oxygène, il est nickel, ne m'inquiète pas. Et puis, pire, si je meurs, je meurs, hein. C'est la vie. Ok. Et le second. Hop. Donc là, on est dans le Nathan Drake après le 1, 2, 3 maintenant. C'est bien ce qu'on a pu comprendre, du coup, là, on est vraiment à la suite de l'aventure du 1, 2, 3. Attention. On s'écarte. Ok. Donc du coup, la caisse a été débloquée. Oui, c'est bon. Hop. On va tenir la caisse. On va la ramener dans le truc. Ok. Très bien. Nous allons amener la caisse manquante ici. Et puis ben, on va pouvoir remonter, je pense, après. Moi qui a d'autres trucs à faire sous l'eau, je sais pas. C'est pas ce qu'ils font, du coup, c'est... Peut-être que Nathan Drake a trouvé un nouveau métier, ramasseur de caisses sous l'eau, je sais pas. Connaissant Nathan, il doit avoir un trésor ou quelque chose à récupérer. Ok. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? On va pas rester ici, hein. On va pas mourir non plus. Ce serait un peu con de mourir bêtement. On y va?
dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Ah. On remonte. Reviens-moi une fois sur les vergues. Ouais, je remonte, t'inquiète pas. Ah, je peux pas remonter. Ah, ok, il faut que j'aille là, d'accord. Je vais remonter avec le truc. Ok, ben go. J'y suis. Vous pouvez me ramener en haut. Allez, l'équipe. Wouhou. Nous remontons tout en haut. Ça fait plaisir. Nous, on va où là? Ah oui, ce bateau là. Attention. Allez. Ah, c'est lui chez du bateau là. Ah, ok, c'est une plateforme. C'est bien qu'ils ont une plateforme comme ça pour aller sous l'eau et. Où est le gars qui m'a parlé? C'est mon coéquipier du coup qui vient de discuter avec moi. C'est lui. C'est bon, mission terminée mon pote. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Allez, attrape le pote. Ok, tiens. C'est lourd, hein. Ouais, faut bien sauter ça. Hein. Elle est légère cette bouteille. Eh, avoue que je te facilite la tâche là. Ok, ah, il y a du dialogue à faire avec lui. T'as été pote. Est-ce qu'on a tout? On a des caisses. Je sais pas à quoi ça sert, mais on a des caisses. Sans vous, j'aurais rien pu faire. On comprend toujours pas à quoi ça sert encore les caisses. Hein. C'est quoi comme récompense? Je sais pas c'est quoi son métier. On parle à lui là. Salut mec. Ah c'est lui. Allez, voyons ce que t'as rapporté. On va voir, qu'est-ce que j'ai ramené tiens? C'est quoi, c'est de l'argent? C'est quoi, c'est une caisse de conserve ou c'est quoi? Bah écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Ah. Comment ça, c'est les boulots de jeudi alors? Arrête, tu rigoles. Non, c'est pas vrai.